Bonjour à tous. I am delighted to be in this Paris FinTech Forum today. One word about the language I will use, because it's an international event, so we must speak in English. But we are in France, and I am a French regulator, so it's tempting to speak also in French. So I will follow what we could call the Canadian rule, half and half, start in English and then switch to French. It would probably have been difficult just a few years ago to imagine that a central banker would be making an appearance at an innovation forum like this one, Laurent. I remember when we first met up, and this was about a year ago, with the Banque de France, with the developers from the startup Labo Blockchain, to work on a proof of concept. Everyone from the Banque de France had made a significant effort. They had dressed casually for the occasion. But they had a surprise, I must say. All the developers had decided on their side to turn up in a suit and tie. So it was a complete reversal of roles. As you can see, today I have been cautious. I am wearing a tie. But things change very rapidly. Today, our dealings with innovators go far beyond any of the assumptions we might have had about each other. The Banque de France is testing blockchain technology. We are opening a lab to work with startups. The ACPR, the French Supervision Authority, which I chair, has welcomed more than 100 key innovators since the creation of its FinTech Innovation Unit, which is led by Nathalie Baudemoulin here, and you will hear this afternoon, I guess. We have set up a FinTech Forum with the IMF to increase our interaction with innovators. And we have a very nice chance, if I am allowed to advertise a bit, on the first floor. It's a first stand on the right, so you cannot miss it. For all actors in the financial industry, including for the Banque de France and the ACPR, the digital revolution is clearly creating challenges, but also incredible opportunities that are just waiting to be seized. And we are here for that. These opportunities exist whether by FinTech themselves, by the whole financial system, banks and insurance, so the incumbents, or by the French and European economies as a whole. And these are the three circles I will a bit elaborate upon. What are the challenges for fintechs themselves? It's hard to imagine how we would get by today without, for instance, cash gifting sites to fund events, aggregators to draw together our different bank accounts, or peer-to-peer payments to split restaurant bills or rents for flat shares. Steve Jobs coined the famous mantra, "Simplicity is the ultimate sophistication." And I think all of these innovations have managed to offer a simple, often cheaper solution to new user habits and needs. They combine cutting-edge technology with user-friendly interfaces. In many cases, they have been developed by nimble startups that are in tune with the market and have the freedom to think outside the box. Today, France is Europe's second biggest crowdfunding market after Great Britain and one of the most dynamic markets in Europe for payment innovations.
Today, what I want to say is this. We are learning from you. Through your technology, you too can contribute towards making the financial system more secure. The artificial intelligence and chatbots you are developing will help us respond more effectively to the public's needs. Big data, machine learning, and biometrics will help us to better prevent fraud. Blockchain technology and smart contracts will help to optimize transactions. And your APIs and open source technologies will help to make financial technologies more interoperable. When I think in turn to what the Banque de France and ACPR can contribute to you, I would say this: stable, reliable, and agile regulation. Stable, because we have a strong anchoring in European regulation. And this was a strong message from the previous panel that the single European regulation is a positive asset for Europe and for France. This means that fintechs established in France can offer their services in all countries in the European Union thanks to the European passport. Reliable, because we strive to limit potential risks so that innovation is always synonymous with customer protection, payment security, IT security, and financial stability. And it is also your interest for the trust of your customers and your investors. I insist on that. I don't see trade-offs between innovation and security. Both of them grow together with confidence. But also an agile regulation, because innovation must not be stifled by administrative red tape. That is why we are developing regulations that are based on objectives and principles rather than on rules, and regulations that are proportionate to the scale of the risks. New fintech players also help to stimulate competition. And can I insist on this message? Competition. Competition with digital incumbents, and in particular with the initiatives launched by the US web giants. The industrial stakes are high. We need to foster this active competition, which is by far preferable to monopolies, even technological monopolies. Stable, reliable, and agile regulation is a basis for confidence. And confidence is a basis for success in innovation. So we want to build this regulation with you. Let me insist on that and give two examples. With your active participations, we need your answers in order to transpose DSP2 on payment services in a quick and efficient way. We also need your mobilization to build the best reg tech in the future using, for instance, AR, artificial intelligence. I now switch to French, but my slides remain in English. J'en viens au deuxième cercle sur les enjeux pour l'industrie financière française et les acteurs existants. L'innovation, en effet, ne concerne pas que les nouveaux entrants. Pour les banques comme pour les assurances, la révolution digitale bouscule le modèle historique de la révolution clientèle. Un chiffre qui n'est pas cité très souvent est révélateur, celui de la fréquentation des agences bancaires. En 2007, et voyez la rapidité de l'évolution,
62% des Français fréquentaient leurs agences plusieurs fois par mois. En 2016, ce chiffre est déjà 3 fois moins élevé, 20%, et même seulement 13% pour les plus jeunes entre 18 et 34 ans. Les parcours clients sont de plus en plus digitalisés. La France est d'ailleurs, le sait-on, le premier grand pays européen pour l'usage d'Internet pour les services bancaires, avec, vous le voyez, 69% des clients. Mais au-delà de la relation clientèle, réussir la mue digitale nécessite pour les établissements financiers de mener une réflexion d'ensemble sur la gestion stratégique pour donner une place centrale à la culture de l'innovation. Et je crois que dans les témoignages que vous avez entendus ce matin de BPCE ou de BBVA et d'ING, on voit cette gestion stratégique de l'innovation à l'œuvre. Réflexion d'ensemble aussi sur les business models. Ce sont des choix difficiles. Ils appartiennent naturellement aux établissements eux-mêmes et à leurs dirigeants. Ce n'est pas aux régulateurs ou aux superviseurs de les faire, d'autant que les réponses ne sont ni évidentes ni uniformes. Mais je veux juste partager avec vous quelques pistes. Du côté des banques, d'abord, il faut bien sûr repenser les sources de revenus. Une des réponses peut venir de la diversification des services, propres ou en partenariat, proposés aux clients, et de l'évolution éventuelle de leur tarification, avec sans doute moins de prix fixes et davantage de tarification à l'usage. À côté des revenus, il y a bien sûr les coûts. La transformation digitale, c'est vrai, passe par l'anticipation des mutations de l'emploi et des compétences dans le dialogue social. La transformation digitale repose aussi sur une démarche d'ouverture avec des partenariats, avec des fintechs, comme avec le monde scientifique. Et enfin, et les acteurs bancaires ici présents le savent encore mieux que moi, elle appelle des investissements informatiques importants, à la fois pour fournir un service toujours plus adapté aux clients, pour réduire les coûts structurels et pour renforcer encore la conformité aux exigences réglementaires. Ces systèmes d'information de demain devront être à la fois, et c'est là tout le défi, plus sûr pour offrir une protection forte contre des cyber-risques en croissance et plus agile, plus souple, plus propice à l'interconnectivité. Du côté des assurances maintenant, la révolution digitale commence aussi par la refonte de la relation clientèle et des usages, mais elle va au-delà. Je veux souligner ce matin avec vous deux sujets qui me paraissent essentiels. Tout d'abord, avec l'aide des réassureurs, les assureurs doivent être en mesure de répondre aux besoins de couverture contre les cyber-risques, une préoccupation qui touche l'ensemble des entreprises, des plus petites aux plus grandes. Et pourtant, en 2015, moins de 5% des entreprises françaises et 6% des particuliers avaient souscrit une cyber-assurance. Les entreprises d'assurance peuvent et doivent se nourrir de leur propre expérience contre les cyber-risques, pour faire émerger une offre française et européenne de cyber-assurance plus avancée. Deuxième sujet, les données et le big data, avec le développement des objets connectés qui démultiplient la quantité d'informations sur les assurés. C'est naturellement une opportunité. Le métier historique des assurances consiste précisément à collecter et à exploiter des données en grand nombre pour mesurer un risque et en déduire une tarification. J'appelle néanmoins les acteurs de cette transformation à une approche responsable. Il faut trouver sur les données un juste équilibre entre la segmentation pour mieux exploiter les données et le partage du risque entre assurés. Les principes de solidarité et de mutualisation sont consubstantiels à l'assurance et ce sont eux qui sont en jeu. Il ne faut pas perdre de vue non plus nos valeurs collectives
à l'égard du respect de la vie privée. Je termine par ce que j'ai appelé le troisième cercle, c'est-à-dire les enjeux de l'innovation pour l'économie française et européenne. Votre forum a été ouvert ce matin par le ministre de l'Économie et des Finances. Je rappellerai de mon côté deux évidences économiques, mais qu'il est peut-être utile de rappeler, y compris dans le débat public aujourd'hui. Il n'est pas de croissance durable sans hausse de la productivité. Et il n'est pas de productivité sans l'innovation et sans tout autant sa bonne diffusion. Alors les économistes s'interrogent beaucoup aujourd'hui sur le ralentissement de la productivité et la crainte pour certains d'une stagnation séculaire, expression qui est revenue à la mode, notamment du fait de Larry Summers aux États-Unis. Comme certaines expressions à la mode, comme beaucoup d'entre elles, le terme me paraît excessif. Et s'il fallait une preuve que nous ne sommes pas menacés par la stagnation séculaire, beaucoup d'entre vous la portent très concrètement. Mais l'impératif pour une économie compétitive et de croissance, c'est d'augmenter l'innovation et sa diffusion, et pas de la ralentir. La digitalisation du secteur financier peut accélérer ce processus bénéfique. Elle contribue à diffuser les avancées technologiques, telles que la signature électronique, les technologies de défense face aux cyberattaques, ou encore les technologies de registre distribué. Les solutions de paiement innovantes et sécurisées, dont demain la blockchain, participent aussi au développement accéléré du e-commerce et à la modernisation du commerce physique. Mais pour cela, il faut encore approfondir l'harmonisation européenne. D'abord dans l'application fine des textes qui régissent le secteur financier, définition et sécurité des services de paiement, par exemple. Aussi dans les domaines plus récents, comme le financement participatif, ou encore dans la recherche absolument clé d'une meilleure interopérabilité des technologies et des normes. Nous avons un petit risque, et ce serait un grand paradoxe à travers l'innovation et les fintechs, de refragmentation du marché unique financier si nous n'avançons pas sur l'interopérabilité. Mais il est surtout, au-delà de l'application fine des textes existants, indispensable de définir une stratégie globale pour l'innovation européenne dans les services financiers. Et cette stratégie globale doit faire converger l'ensemble des thématiques suscitées par la finance digitale. De la protection des données à la lutte contre le blanchiment, de la sécurité informatique à la protection du consommateur, de la stabilité financière aux enjeux sociaux, de l'inclusion bancaire, de l'éducation financière et des mutations du travail dans le secteur financier. Ce chantier de stratégie globale est mené actuellement par la Commission européenne, avec une certaine discrétion, je dois le dire. La Banque de France et la CPR y prennent part de plus en plus activement. Il en va de l'Europe, il en va d'un grand marché unique du numérique, il en va de notre indépendance à nous, Européens, vis-à-vis des autres grands ensembles régionaux et du dynamisme de notre économie. Vous l'avez compris, et je le dis très simplement pour finir, l'innovation est clé pour les régulateurs que nous sommes. La France a beaucoup d'atouts en Europe pour être un leader de cette transformation digitale. Vous, vous en êtes les acteurs, avec votre audace et avec vos succès, dont je vous remercie. À nous, Banque de France et ACPR, d'en être les partenaires auprès des acteurs que vous êtes. Des partenaires compétents, des partenaires vigilants quand il le faut, des partenaires ouverts toujours. Soyez assurés que nous sommes pleinement mobilisés dans cette direction. Je vous remercie de votre attention.